Dans cette présentation, je vais vous expliquer comment investir en immobilier grâce au financement créatif, à la fois en France et au Canada. Et cette présentation va se faire en trois temps. Bon, dans un premier temps, je vais vous dire qui je suis, pourquoi j'ai investi en immobilier, parce que ça, c'est très important et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Et également, comment j'ai investi en immobilier. Donc, je vais vous présenter des cas concrets de mes propres investissements et je vais vous expliquer comment, grâce au financement créatif. Donc, le financement créatif, c'est quoi? C'est de trouver de l'argent par d'autres moyens que la banque pour pouvoir investir en immobilier, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer comment, grâce au financement créatif en France et également au Canada, pour ceux qui souhaitent potentiellement investir au Canada plus tard, vous pourrez investir en France, au Canada. Là, j'investis en Afrique et je vais également investir en Asie très prochainement. Donc, qui suis-je? Donc, je m'appelle Florian Moncam, j'ai 22 ans, 29 ans, pardon. Le 12 juillet 1990 au Cameroun. Qui connaît le Cameroun? Parfait. Samuel Eto'o. Donc voilà, je suis arrivé en France en 2008 pour mes études. Donc j'ai eu un parcours classique. Hein. Donc j'ai fait des écoles de commerce, donc Business School, Université Paradoxine. Ça m'a servi strictement à rien, je peux tiens le préciser. J'ai rien appris. Merci, merci. Ouais, franchement, ça m'a servi à rien. Donc j'ai eu toutes les galères d'étudiants étrangers. Donc moi, je suis arrivé, là, je suis citoyen français, mais avant, j'étais. Bah, je suis toujours camerounais, donc je suis avec mon visa étudiant. Quand on arrive en France, on a des problématiques de garant. Donc on a des difficultés à trouver des logements parce qu'on n'a pas de garant résident en France. Donc pour ceux qui investissent en immobilier, vous savez de quoi je parle. Difficulté de trouver des logements. Donc il m'est même arrivé de passer des nocturnes dans des gares de train. Très précisément là, Montpellier-Saint-Roch à Montpellier. Donc, en 2012, donc j'ai fait mes études. 2012, je m'enfuis en Angleterre à cause de la loi de Claude Guéant, donc qui interdisait aux étudiants étrangers de rester en France suite à leurs études. Donc moi, j'ai voulu anticiper. Je suis parti en Angleterre parce que ma mère m'a dit, moi, je t'envoie en France, c'est pas pour faire du tourisme. Donc quand tu vas revenir au Cameroun, faut que tu mettes quelque chose sur la table. Donc parce qu'elle a investi pas mal dans nos études, etc. Donc je suis parti en Angleterre. Ça a été la catastrophe parce que les politiques d'immigration étaient encore plus compliquées. Donc, j'ai failli me faire expulser par la douane anglaise, tout simplement parce que j'étais revenu en France. En fait, si vous voulez, tous les lundis, j'étais obligé de badger mon visa à 8h30 du matin pour prouver que j'étais sur le territoire anglais. Et il y a eu un week-end où je suis parti. Je suis revenu en France pour passer mon TOEFL. Je reviens en Angleterre. Ils me disent, ben, pourquoi t'as pas validé ton visa? Ben, je dis, je suis revenu en France pour passer un examen. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais en Angleterre? Je suis en études, en double diplôme. Qu'est-ce que tu prévois de faire après? Je dis, ben, soit je reste en Angleterre, soit je repars. Ils m'ont fait, non, ça va pas être possible. Ils annulent mon visa. Donc, je pouvais juste rentrer en Angleterre et après, c'est terminé. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait, via un ami à moi, il m'a parlé du Canada. Donc, il m'a dit, ben, écoute, si c'est compliqué en France ou au Canada, en France et en Angleterre, pardon, fait la demande de résidence permanente pour le Canada, ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ma demande en 2013. Dieu merci, entre-temps, la loi de Claude Guéant, elle a sauté, donc je suis revenu en France pour terminer mon master. Donc j'ai été embauché chez KPMG en vue de devenir expert comptable. Jusque-là, je pensais que tout allait bien. Je pensais avoir un parcours exemplaire, mais ben, je fonçais droit dans le mur, en fait. Donc, 2013, diplômé, fraîchement diplômé, je me retrouve à la Défense, esclavage moderne. Prisonnier à la Défense, 60 heures de travail par semaine, 2 000 euros de salaire, de nombreuses dettes. Il faut savoir que moi, j'avais à charge mon petit frère, mes parents et ma copine qui est ma fiancée maintenant. Donc j'ai eu une désillusion totale, donc j'ai eu une grosse remise en question par rapport à mon avenir. Je me suis dit, bon, tu as fait mon business, tu as fait Dauphine, tu te retrouves dans une situation comme ça, c'est pas très grave en fait. Donc j'ai commencé à me poser pas mal de questions, donc j'ai eu des incertitudes et je pense que pas mal de gens se posent des fois ces questions. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je me suis dit, bah, si demain je perds mon emploi, comment est-ce que je vais faire? Si on nous promet la retraite, une hypothétique retraite, voilà, on sait très bien qu'on n'en aura jamais. J'ai envie de payer une bonne éducation à mes enfants, ça va coûter de l'argent. Si demain je suis malade, si je suis invalide, comment est-ce que je vais faire? Si je vais mettre ma famille à l'abri, voilà, il va falloir de l'argent. On a parlé d'argent tout à l'heure. Croyez-moi, c'est très 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 important d'avoir de l'argent. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. Si demain votre père est malade, votre mère est malade, c'est grâce à l'argent que vous allez pouvoir subvenir à leurs besoins. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, extrait de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker, à la commenter, à poser tes questions et surtout à la partager
à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année. Donc, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.